Salut tout le monde, et aujourd'hui je vais vous présenter un petit tour de magie avec un paquet de cartes simples. Donc en l'occurrence j'ai pris deux paquets, je les ai séparés en deux paquets, donc je vous expliquerai ça un petit peu après. Donc d'abord je vais vous dire le nom de ce tour de magie. Il se nomme le cache-cache, donc il est très simple à réaliser. De plus il est automatique, vous avez juste à préparer le jeu de cartes avant. Donc là vous allez jouer le rôle de spectateur, puis après vous allez jouer le rôle de magicien. Donc moi je suis le magicien, puis je vais vous présenter le tour de magie. Donc tout premièrement je vais vous demander de choisir un des deux paquets. Donc par exemple vous choisissez celui-ci, voilà, vous choisissez. Donc j'essaye de cacher la marque avec mes mains, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de truc truqué ou quoi, c'est un paquet de cartes simples. Et vous avez choisi celui-ci, je vais vous demander de le couper en deux parties, donc par exemple comme ceci. Donc voilà, vous l'avez coupé en deux parties. Moi aussi je vais le découper en deux parties, comme ceci, donc n'importe quoi, hein. Vous pouvez le couper, il reste que deux cartes ici, puis 18 ici. Et maintenant je vais vous demander de choisir dans les cartes qui restent, étant donné que je n'ai pas mis tout le paquet de cartes. Je vais vous demander de choisir une carte au hasard, donc là, je vais la regarder, mais normalement le magicien ne doit pas la regarder. C'est le 7 de cœur. Je vais vous demander de la placer sur un de mes paquets, donc par exemple sur celui-ci, et de le recouvrir avec un de vos paquets, celui-ci. Maintenant, voilà, on va mettre ça sur le côté, c'est fait. Désolé, je vous montre la marque du paquet de cartes, mais j'influence personne. Sinon, moi je vais choisir aussi une carte. Donc moi, en l'occurrence, je vais choisir une carte, on va dire... voilà, un peu spécial, parce que voilà, on est magicien, on essaie d'utiliser des effets visuels, donc là le joker, et je vais la poser face visible sur un de vos paquets de cartes. Puis je vais le recouvrir avec le mien, puis ensuite on va regrouper les deux, et je vais vous demander à vous spectateurs de couper le paquet, le dernier paquet, hein, les paquets regroupés, le mien et puis le vôtre, en deux, et puis de replacer comme ceci. Donc voilà, votre carte est à l'intérieur et la mienne aussi. Maintenant, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que ma carte, en fait, va jouer au cache-cache avec votre carte que vous avez choisie. Donc, on va le faire ça tout de suite. Je vais suivre ma carte et on va séparer ce paquet en deux parties. Donc voilà, ma carte, mon joker, me dit que votre carte est dans le paquet de gauche. Donc je dois continuer jusqu'à la dernière carte. Voilà, après, vous allez être... le magicien, donc vous pourrez tester ce tour. Donc vous allez être le magicien, je vais vous montrer ce que vous devez faire, ce que vous devez préparer, mais en tout cas il est très simple à réaliser. Comme ça il paraît très compliqué, mais il faut juste retenir les manipulations. Donc voilà, on a nos deux paquets. Moi je vais enlever celui de droite, étant donné que mon joker est dans celui de gauche. Donc voilà, on va refaire la même chose jusqu'à ce qu'on trouve la carte de tout à l'heure. Donc désolé, j'ai oublié c'était laquelle, c'est celle que je vous avais montrée à la caméra. Voilà, donc là cette fois-ci mon joker dit que votre carte est dans le paquet de droite. Donc après vous pouvez choisir autre chose que le joker en étant magicien. Donc j'espère que vous voyez bien, la luminosité est bonne, oui en effet. Donc voilà, cette fois mon joker dit que votre carte est dans le paquet de droite, ainsi de suite. Et là cette fois-ci mon joker dit que votre carte était le 7 de cœur. Et oui, c'était bien le 7 de cœur que je vous avais montré, que vous avez choisi au hasard et que vous avez regardé, mais normalement moi j'étais pas censé le voir, c'était juste pour vous montrer que c'était bien le 7 de cœur. Donc vous allez passer magicien tout de suite. Nous revoilà avec notre paquet de cartes. Et maintenant vous allez jouer le magicien. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez séparer le paquet en 15. Donc vous prenez 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il faut bien avoir 15 cartes de chaque côté. Et c'est grâce à ces 15 cartes qu'on va pouvoir effectuer ce tour de magie. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà. On a bien les 15 cartes de chaque côté, le reste vous le mettez sur le côté, et c'est simple. Après vous en tant que magicien, vous me dites à moi de choisir un paquet, donc moi je choisis celui-ci, vous êtes le magicien, vous choisissez le prochain, puis vous me dites de séparer le paquet en deux parties. Donc ça c'est obligatoire, en gros vous choisissez un des deux paquets, puis vous le séparez en deux, et pareil vous, magicien, vous séparez aussi en deux votre paquet. Donc ça c'est simple, c'est facile à retenir. N'hésitez pas à aller en arrière dans la vidéo si vous n'avez pas trop compris. Donc maintenant, avec le reste des cartes, vous lui dites de choisir une carte au pif. Donc voilà, par exemple il a pris dans le paquet, voilà c'est le 7 de cœur. On va utiliser le 7 de cœur tout au long de cette vidéo. Puis vous lui dites, donc normalement moi je la regarde, je vous la montre pas, vous êtes là-bas. Vous lui dites, vous me dites plutôt à moi, de la poser sur un de vos paquets. Donc je pose sur un de vos paquets par exemple, puis vous vous recouvrez avec un de mes paquets. Donc vous êtes le magicien. Oublié. Maintenant vous êtes le magicien, vous prenez par exemple le joker, vous lui dites voilà c'est ma carte porte-bonheur, voilà pour jouer un peu le rôle du magicien. Puis vous la mettez sur un de mes paquets de cartes, moi en tant que spectateur. Puis vous recouvrez avec un de vos paquets de cartes. Donc ça peut être n'importe quel paquet, voilà, c'est du moment que le spectateur prend une carte au hasard, qui la regarde et qui la pose sur un de vos paquets et qui recouvre avec un de ces paquets, et que le magicien choisisse sa carte porte-bonheur et qu'il la mette, alors attendez, qu'il la mette comme ceci, face visible. Donc maintenant vous avez vos deux paquets, vous dites au spectateur de regrouper ces deux paquets et de les couper. Donc vous le coupez en deux comme ça, hop, voilà. Voilà le paquet, maintenant il est... Il y a la carte, le 7 de cœur, puis le joker. Donc maintenant, le tour de magie est automatique, vous n'avez pas besoin de faire calcul. Vous avez juste à séparer les deux paquets en deux parties. Puis vous lui dites un truc du genre, ah, je pense que ma carte va choisir la bonne et elle va jouer à cache-cache avec ta carte. Vous lui dites ça par exemple. Puis voilà, vous suivez votre carte. Là, bon, ça peut être autre chose qu'un joker, donc là... Moi, le joker, vous en tant que magicien, vous avez choisi le joker. Votre joker dit qu'il est à gauche, donc vous pouvez raconter après des conneries, hein, dire ouais, de toute façon, le joker trouve tout le temps les cartes. Voilà, vous racontez un petit peu pour pas ennuyer le spectateur, parce que c'est plutôt un tour de magie impressionnant. Donc voilà, vous continuez, vous faites de même. Donc vous devez utiliser toutes les cartes jusqu'à la dernière. Voilà. J'espère que je suis compréhensible, sinon n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière pour que vous puissiez voir chaque étape. Donc voilà, vous faites ainsi de suite, puis vous enlevez tout le temps le paquet où il n'y a pas le joker ou votre carte porte-bonheur. Donc voilà, et normalement la dernière carte c'est le 7 de cœur. Donc voilà, c'est très simple, c'est un tour de magie. Vraiment, il faut juste apprendre la manipulation du début, vous séparez le paquet et tout. Puis le tour de magie est plutôt impressionnant et ça impressionne aussi vos amis. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce tour de magie. Cependant, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Puis on se retrouve peut-être pour un autre tour de magie. A plus.